Avec la balance, il y a la grande, hein. Pas devant les filles. Il y a le cœur qui est de pas mon vie. Oui, c'est oui, vrai. C'est pas ici, il y a la charrette. L'année dernière, il y avait des chevaux. À vous les montrer. L'avantage, c'est qu'il y a la Moi, j'arrive à la Manche le 12 juin, 6 jours après le débarquement. Et je participais à toutes les grandes batailles, le bocage, la fameuse côte sans buse, mon passant, comme des sous-noirs, enfin, à la Seine. Et c'était mon régiment qui passait le premier. Traverser et franchir la Seine le 25 août. Je voudrais que vous me disiez comment vous, ressentez ce type d'événement, ce type de reconstitution des années après. Comment vous le vivez-vous? Le propriétaire de cette propriété, je connaissais bien, je n'ai pas vu aujourd'hui. Et chaque année, je promets que je fais une visite. La dernière fois, c'était 3 ans. J'arrive à la ferrée. À Duclair et j'ai pas de l'argent dans ma poche, je dis à moi, j'ai pas de monnaie et je fais un demi-tour, je rentre chez moi pour le patron, il était furieux parce que je dis c'est pas nécessaire payer. Ce matin, c'était le ferré, était en panne, il faut changer jusqu'à Jumièges. Mais enfin, j'arrive. Alors, comment, qu'est-ce que vous en pensez de ce coup? C'est formidable. C'est un parc très joli, les arbres sont magnifiques. Et c'est un dommage que ce n'était pas beau. Mais c'est mieux que ce matin. Et l'aspect militaire, reconstitution, est-ce que vous percevez ça comme du respect vis-à-vis des vétérans? Est-ce que ça vous semble un peu fou? Comment vous vivez ça? Non, vous savez, je suis très marqué par la guerre. Et maintenant j'ai 93 ans et j'assistais beaucoup de cérémonies dans l'heure. Par exemple, le 8 mai, je suis invité à Vernon, à Rue, mon petit village, nos provenés. Et j'ai participé beaucoup en mémoire des soldats qui sont morts. Et je suis très fier que j'ai assisté à livrer cette magnifique paix. J'adore la France. C'est une démarche un peu différente. On essaye de faire revivre les choses comme elles étaient à l'époque. Oui, c'est toujours intéressant. On rencontre les gens, parler. Mais maintenant, je suis un peu un dinosaure, parce que tout le monde se. Mon âge, ils sont partis maintenant. Et chaque année, c'est diminué. L'année dernière, j'assistais à une grande cérémonie à la côte 112. C'était mon division, 6000 soldats. Et l'année dernière, il y a 3 avec moi qui représentent la bataille. C'est incroyable. Même à Bayeux, c'est le même maintenant. C'est presque passé maintenant.
Est-ce que c'est réaliste ce que vous voyez là par rapport à ce que oui, vous avez vu? Une tente, c'est une tente que vous avez. Mais pendant la guerre, ils n'avaient pas une tente pour vivre dans un petit trou. Moi, je n'ai pas vu l'intérieur d'une maison entre juin et octobre. Je n'ai jamais trouvé dans un lit, toujours dans un foxhole. C'est tout. Ça, c'était un luxe. Un luxe. Oui. Bon, c'est fini. Merci. Merci beaucoup. Bon, merci, madame. Bonne visite. Au revoir. Merci. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir, monsieur. Merci. Je pense. Bought by the Argentinians. Okay. Good morning. Can you sign your pictures? No. No? No. With pleasure? I have cramp. Oh, my parasol. If you want to work on it, or... No. He wants a picture as well with you? No. Ah, ça c'est plus cher. Yo, I open it or it's fine? C'est des quoi la division? 43e. Parce que normalement, si je suis pas trop mal, si je me suis pas trompé. Normalement. C'est ça. Normalement. C'est ça. C'est ça. C'est ça, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que j'ai pas eu le temps de l'écouter. Oui, mais... oui, ça c'est mon division. C'est ça. C'est tout ça. Ouais, c'est ça. Et normalement, oui, si je me suis pas trompé. Oui. Si je me suis pas trompé. Ça me sert la jeune. C'est ça. Oui, tiens. Yeah, c'est ça. That was the cap badge I wore when I crossed the Seine. Ah oui, mais du coup, c'était le cap badge qu'il avait quand il a. C'est la rabat, c'était le fameux son. Parce que même si je suis en uniforme allemand, en fait, je suis de la 43e. Et qu'est-ce qui s'est passé à la 20e? Sorry. Ah, we don't know. On ne sait pas. Il n'y a pas de. We don't know. We don't have any name on it. Oui, ça, c'est bizarre. Ça. C'est une fabrication. Oui. Why one? Ça, Du coup, Jim, tu peux prendre une photo? Votre article, ça m'a permis en effet de faire connaître votre histoire. Et c'est ce que j'aime justement, c'est que certaines personnes comme vous qui sont un peu dans l'anonymat, on révèle votre histoire et votre parcours, qui pour nous aujourd'hui sont des parcours exceptionnels. Donc non, je suis content que mon travail vous ait plu et que ça, ça ait permis de vous faire connaître. C'est un miracle, que mon ami, vous avez vu. Oui, ça y est, on s'est vu, tout à fait. Monsieur. Oui, mais et je remercie fortement aussi parce que ça permet de venir. C'est un miracle. Je parlais avec mon ami, monsieur Lepage. Vous avez dit en passant, samedi prochain, je serai à Duclin. D'accord. Je dis Duclin, non, c'est pas possible. Et le lendemain, il y a un ami qui me téléphone et dit David, dites-moi, je suis à Duclin. Est-ce que vous avez un chauffeur? Je dis oui, tout à fait. Je veux avoir un contact pour. Voilà, je suis là, très bien. Non, mais je repose, c'est bien pour ça, je remercie aussi beaucoup. C'est ça la coiffure. Votre visite. Non, je suis content, et puis tout le monde est content. Je prends quand même une photo. Après, m'envoyer un mail. C'est moi qui étais content. Oui. Sébastien, je ne sais pas si tu as vu David Mécrit, qui est vétéran de la 43e Wessex. Voilà, ici vous êtes dans le coin britannique, donc c'est là où tout le monde va être plus sensible à votre personnalité, à votre parcours. J'ai essayé de leur. Là vous allez voir un peu plus de. Si j'en ai une deuxième. Mais c'est bien, je suis désolé pour des vacances, il n'y a pas beaucoup de soleil. Oui, presque. Ah! Ce matin, il est tombé des cats and dogs, vous savez. Tu veux que des cornes. Oui, des cornes. Je n'ai pas enlevé le bâtiment. Déjà, tu as gagné à ralmer. Ça, c'est pour l'impression. Oui, c'est ça. Oui, pour le soleil. Exactement. Pour le soleil. Bon, je vous laisse. À tout à l'heure. Oui, oui. Très bien. Bon, merci. Alors, à tout à l'heure, David. Non, mais on se revoit tout à l'heure. C'est magnifique le parc. Ouais. Il ne faut pas que tu vois faire. Non, c'est pour moi que je fais ça. Oui.
Il y a des gens derrière. Alors c'est Pierre. Ça va mon petit père? Oui, nickel. Donc David étonné, c'est que tout le monde le connaît. Ah oui, d'accord. En arrivant sur place, parce que j'ai un peu parlé de lui à tout le monde, donc c'est bien. Ah, je suis content de voir ce magnifique château. Ah bah oui, oui. C'est vrai. David est un amoureux de la Normandie. Hein. Ça fait combien de temps que vous habitez en Normandie? 45 ans. Ah, voilà. Bah, oh, plus que nous. D'accord. Ouais. Mais l'accent, c'était terrible. Ouais. Affreux, oui, mon accent. Non, mais vous parlez tellement bien français. Tout le monde me l'a dit. Hein. Non. Tout le monde me l'a dit. Hein. Si, on m'a dit. Le temps, pour le premier mot, vous savez. Ouais. Madame, je vais en table. Oui, monsieur, mais ça fait un temps que c'est plus tard. Vous pouvez le faire. Elle dit, vous parlez un petit peu français, mais votre accent, c'est affreux, monsieur. Je peux parler pour une mort. Ah, ouais. Bon. Ça vous rappelle quelques souvenirs de voir un peu l'équipement, les tentes. Ça vous rappelle une certaine époque. Oui. Bah, oui. Il y a des choses que vous trouvez. Ouais, oui. Mais c'est magnifique ça. C'est tout le monde parle de l'équipement et maintenant je suis là. Ouais, ouais, ouais. C'est gentil d'être venu nous voir. C'est un peu moins parce que j'ai acheté en Angleterre avec le prix anglais et hors télé. Enfin, Je pense à l'Austin.